Soyons tous responsables face aux écrans. Vous me coupez tout le temps la parole. Mais n'importe quoi, chérie, tu dis tout le temps la même chose. C'est parce que vous comprenez pas ce que je raconte. I'm made new. Putain, vous qui c'était? Le meilleur joueur de rugby du RCT. Et bientôt mon gendre. Oui, alors tu arrêtes de t'emballer et on rentre à la maison. M'emballer? Oui, comme à chaque fois qu'une de tes filles a un amoureux. Jamais je le présente à papa. Vu comment il bave devant la télé à chaque fois qu'il le voit, si jamais il le rencontre dans la vraie vie, mais... Hey, regarde! Regarde qui j'ai croisé totalement par hasard. Il est génial, ce mec. J'avais jamais vécu ça, moi. Pour la dernière fois, ce n'est pas ton petit copain, c'est le petit copain de ta fille. Mais qu'est-ce qui se passe, mon grand? Elle m'a largué. En plus, je trouvais qu'il y avait un vrai truc, tu vois, entre nous. Vraiment, on était connectés. Non, je parle d'Alexia et moi. Mais enfin, on peut pas rompre avec quelqu'un qui fait moins de 11 secondes de 100 mètres. Ah bah, il y avait pas que au 100 mètres qui faisait moins de 11 secondes, si tu veux savoir. Tu sors, ma chérie? Oui. Et d'ailleurs, il y a mon rencard qui est là. Ça peut pas être ton rencard. Si, pourquoi? Regarde-le, c'est un vieux dans un corps d'enfant. T'as pensé à lui envoyer un cadeau de la part de Thomas? Ah bah non. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Abonné. Joyeux Noël. Tu crois que ça nous rend pas malheureux de voir à quel point t'es frustré d'avoir eu que des filles? Tu sais ce que je fais si quelqu'un lui brisait le cœur? Je pourrais le tuer. Une panda. Le coup de grâce. Je ne sais même pas pourquoi on a gardé toutes ces vieilleries. Tu ne te souviens pas de ce cerf-volant? On adorait le faire voler avec père et mère. Il y a longtemps que c'est derrière moi. Ça, c'est vraiment pas croyable. Marie? Poppins, vous revoilà. Et vous paraissez toujours aussi jeune. Plaît-il? On ne doit jamais évoquer l'âge d'une demoiselle, Michael. N'avez-vous pas retenu mes leçons? Mais après tout ce temps, qu'est-ce qui vous a fait revenir? La même chose que la première fois, je viens m'occuper des enfants Banks. Nous? Oui, vous aussi. Nous allons bientôt perdre notre maison. Notre vie semble s'écrouler depuis que votre mère... Notre mère me manque. Quand ceux qu'on pleure s'en vont, c'est qu'ils changent de place. Comment vous avez fait? Fait quoi? Vous leur avez donc bourré le crâne de choses qui n'ont ni queue ni tête. Vous avez oublié ce que ça fait d'avoir un cœur d'enfant. Rien n'est impossible. Pas même l'impossible. Qu'un beau jour, un nouveau roi viendra et qu'il se servira du pouvoir du trident pour reconstruire l'Atlantide. C'est ici que Vulko m'a donné ma première leçon de natation. Je sais nager, j'ai pas besoin d'apprendre. Tu es bien loin du compte. Il te faut oublier tout l'enseignement du monde de la surface. Va au tréfonds de toi-même, à la découverte de tes instincts d'Atlante. Il a passé toute sa vie à s'entraîner. Pour devenir le meilleur. Mes parents ont fait de moi ce que je suis. Je suis le protecteur des profondeurs. En ce trident repose la force de l'Atlantide. En mauvaise main, il ne causerait que destruction. Mais aux mains du vrai héritier, il unirait terre et mer. L'heure est venue pour l'Atlantide de renaître à la gloire. Il faut l'arrêter à tout prix. Mais c'est quoi ton plan de génie pour ça? Tu dois trouver ceci. J'en ai déjà un, c'est bon. Il est loin de valoir celui-ci. La guerre va ravager la surface, que cela t'agrée ou non. Ah
soit l'unificateur de nos deux mondes. L'Atlantide a toujours eu un roi. Aujourd'hui, il lui faut plus. Mais mieux qu'un roi, ce serait quoi ?